Putain, mais j'en ai marre de me faire chier. Assis sur ce mur-là à regarder les camions de tomates qui voient Marmande. Depuis le temps que je glande avec ces connards de potes qui dans la vie ne veulent pas aller plus loin que l'agent. Je me dis que je devrais songer à élaborer un vrai projet. J'ai pas envie de ramasser les abricots. J'ai envie d'un truc moderne, genre 2.0. Mais j'ai pas non plus jusqu'à Bordeaux, je me perds tout le temps là-bas. En plus, je trouve même pas le métro. Du coup, ambition, création, innovation, je vais livrer de la graille en vélo. Révolution, tout en restant à la maison. Un feu, je vais téléphoner des cartons de hache en bagnole pour m'acheter un bitouille. Et des planches grottines pour la pose aussi, on sait jamais. Appli installé sur mon iPhone, on en est quoi la route? Au 47 Moselle, que j'ai commandé sur Amazon. Avec clinisotherme, casque, support de téléphone. Et même un putain de jersey que je sais toujours pas ce que c'est. Oh putain, c'est parti, ça y est, j'ai déjà un chiffre. Eh, tu sais un chiffre, toi, ton corps? Non, tu sais pas, non. Eh, tout simplement parce que c'est moderne. J'ai un chiffre dans ma tête, ça peut être, c'est la neige. Mais comme j'ai capté pas la 4G, je me repère à Golfech. J'ai un chiffre dans ma tête, ça peut être, c'est la neige. Mais comme j'ai capté pas la 4G, je me repère à Golfech. J'ai appris la pêche. Bon, concrètement, c'est vrai, c'est un peu loin, mais je livre 4 pots de carbure, ça se conserve bien. Direction le 82, ouverture transrégionale vers le Tarn-et-Garonne, la carbure est gersoise, interaction, diversité, mondialisée, valorisation du local, un peu comme une baston entre voisins dans la plus bête du bal. Pour rester en avance sur mon temps, c'est bien simple, je pédale vénère. Je mets de l'avance sans jamais me retourner, de toute façon ici, y'a rien derrière. Je prends un virage toujours en avance sur mon temps. Mais quand tu prends un virage en avance sur ton temps, en fait, tu prends pas le virage, tu tournes avant. Et ça, c'est prouvé mathématiquement. Je ramasse mon vélo, y'a pas de casse dans les pots. Ouais, j'ai pas de bobo, tant mieux parce que je suis pas assuré. Tout simplement parce que je suis moderne. Comme j'ai calme pas la 4G, je me repère à Golfech. J'ai un chiffre dans mon tête, ça tout est, c'est la dèche. Mais comme je capte pas ce putain de 4G, ben je me repère à Golfech. C'est moderne, mais putain c'est des longs. J'ai déjà passé le pont de la 62, j'ai déjà passé une fois la Garonne. Pédale, pédale, pédale. Oh putain, ça y est, j'ai passé la frontière. De l'autre côté, la magistère, super. Tout ça que j'ai 30 tonnes derrière. Le mec klaxonne le pinaille parce qu'il peut pas me dépasser. Mais s'il peut pas me dépasser, c'est justement parce qu'il y a du monde en face. Et qu'à droite, il y a le fossé. Là, il veut que je fasse quoi, lui, au juste? Que j'improvise des lévitations transcendantales à 6 mètres du vélo. Ça y est, le mec des boîtes, il a réussi à passer. Mais ça lui passe pas l'envie de klaxonner. Super, d'autant plus super qu'on arrive dans un village et est à 50 à 20 mètres du dessous le 30. Je suis colo derrière du gros cul que j'ai réussi à rattraper. Et c'est pas des vapeurs de garbure que je respire. Et le transport routier c'est moderne. Alors je patiente et je respecte. Putain. J'ai un chip à mon dash, ça peut être c'est la lèche. Et comme je capte pas la 4G, je me repère à Golfech. J'ai un chip à mon dash, ça peut être c'est la lèche. Et comme je capte pas ce putain de 4G, ben je me repère à Golfech. En fait, je me repère plus du tout parce que Golfech, c'est derrière depuis au moins 12 ans. Putain, mon téléphone ici, il capte même pas la calculatrice. D'ailleurs, bordel, j'arrive à moi ça. Il est évident que malgré mon sens aigu de la modernité, je me suis trompé de chemin. En plus, c'est la Garonne, ici, ils appellent ça le Tarn. J'y comprends plus rien. J'ai la terre petite qui tourne comme le soleil. Il faut que j'achète une canette de Monster parce que je suis jamais moderne. Mais le prof, il est fermé entre midi et deux, donc c'est pas la peine d'y aller avant 15h. Je vais aller boire un café au café de la place. Arrivé, je pousse la porte et là, je constate l'ampleur du tonnage. La moitié des marmules de l'équipe de rugby du coin est déjà en train de cartonner les girafes en regardant un match destination. Je me dirige vers le comptoir en tâchant de pas attirer leur attention. Je sais bien que si tu réunis les 15 types sur un bon bascule, t'es bon pour payer la taxe à les yeux plein pot. Et de toute évidence, il y aura du jura de mon coup parce qu'un mec se met à parler en regardant dans ma direction. Je comprends pas exactement sa phrase, mais seulement quelques mots comme boule vite, tapette, vélo et casse la tête. La seule activité neurologique de la zone de mon cerveau qui correspond à mon sens m'indique que le mec parle de moi et qu'il est hostile. Mais alors que je paie mon café, je consterne qu'il y a une anomalie de liaison entre mon cerveau et ma bouche. C'est un moment à mes lèvres qui se matérialise par le son suivant.
que c'est toi ici. Connard. Cette barbac se dresse à un mètre devant moi. Un truc qui sûr, c'est que le mec il est pas aigné. Il a le centre de gravité d'une enclume posée sur un flanc. Bruno, le mec est peut-être un peu lent, je pourrais essayer de m'échapper. Mais je vois même plus de putain de porte d'entrée. Ouais, puis je pourrais rider ces trapèzes sur une flinguinée. Et il me faudrait toute une vie pour botter la surface complète de son culotte. À condition de chausser au minimum 47, y'a qu'à voir. 47. Ouais, puis c'est l'occasion de tester à mes dépens la fameuse Antoinette. C'est un art martial tarné à un seul geste. Verdict, pas moderne mais efficace. J'ai rejoint mon vélo avec plus d'avance sur mon temps qu'il le faut pour le dire. C'est moderne en fait. J'ai un shift à rôle, ça me c'est la neige. Mais quand il t'a des bouts de 4G, je me rappelle un peu le flèche. J'ai un shift à rôle, ça me c'est la neige. Mais comme j'ai capté pas un 4G, je me veux faire un golfèche. Et du coup, je suis toujours paumé. Et y'a encore une rivière. Et pourquoi y'a toujours au moins deux rivières dans ce département si je pars au dernier des rivières? Et ça existait déjà du temps de Mitterrand. Bah d'ailleurs, ça c'est pas une rivière, c'est un canal. Ça s'appelle un peu plus moderne, mais ça sert à rien non plus. On te file pas de shift si t'as une péniche. D'ailleurs, les péniches elles sont toutes à Toulouse et y'a déjà des restaurants dedans. Ouais, tu bois, reste un pot de carburant, pas de casser, fait, je vais le manger. Et la prochaine fois, je livrerai en bagnole, parce que selon mes calculs, c'est vachement plus moderne. Putain, moi j'ai dû en fou, j'ai dû en fou, j'ai mal à manger.